Tu es au chômage? Ouais, ça se voit pas. Tu n'as pas eu ton premier choix avec Parcoursup? Bah non. Tu galères à trouver des financements pour ta recherche? Bah ouais. Tu as le flemme de traverser la rue pour trouver un job? Ouais, c'est sûr. Tu veux travailler dans un secteur non concurrentiel? Ouais. Avec près de 30% de marge garantie? Ouais. Des produits en hausse constante? Ouais. Une clientèle captive? Ouais. Attends, cap quoi? Captive. Captive, ça veut dire qu'elle n'a pas le choix, elle achète tes produits quoi qu'il arrive. Ouais. J'ai un job pour toi. Tu n'as qu'à devenir éditeur scientifique. Ouais. Attends, monsieur. Attends. J'y connais rien du tout, moi, à la science. Ah, mais ça, c'est pas grave, mon garçon. On s'en fiche complètement. Non, mais t'as pas compris. Je pourrais jamais écrire un article. Mais tu demandes à ceux qui savent. Ils écrivent, ils t'envoient, tu publies, tu vends, et tu encaisses. Vas-y, prépare-toi, oui. Allez, c'est cadeau. Attends, monsieur. Je sais pas, il faut évaluer ce qu'ils écrivent. On peut pas publier n'importe quoi. Mais encore une fois, tu demandes à ceux qui savent, mais à d'autres. Attends, monsieur. Je sais pas comment faire pour vendre. Je sais pas faire du marketing. T'inquiète pas, si tu publies leurs articles, ils n'auront pas le choix, ils les achèteront. Et si tu veux encaisser double, tu fais également payer les auteurs. C'est ça le nouveau modèle hybride. Allez, prépare-toi. Vas-y, c'est double là. Yeah! Allez, ramasse mon plan. Attends. Quoi encore? J'ai pas d'imprimante. Un petit, mais en 2019, tu mets ça en ligne, ça coûte trois fois rien. Ok, je peux commencer ce soir? Oui, je le savais. L'édition scientifique, un métier ultra lucratif.